Voilà, je suis Damsek, je suis le fondateur du Samadon. Donc j'ai eu à pratiquer plusieurs disciplines. C'est vrai que je suis plus connu comme pratiquant de taekwondo. Mais avant ça, j'ai pratiqué le karaté, le kobudo, le technique de aikido, plusieurs disciplines en fait. Donc pour parler du Samadon que j'ai créé, donc Sama c'est un terme olof qui signifie Samado, ma. Do, c'est un terme japonais. Donc, si on prend ça, même do, c'est ma voix, c'est mon expérience, c'est ma méthode. Donc, je pense qu'après une quarantaine d'années de pratique au Sénégal, en Asie, aux États-Unis notamment, je pense qu'il était bon d'apporter un peu sa contribution. Donc, la particularité, vous savez, comme dans toutes les disciplines, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect philosophique. C'est ce qu'on garde. Et ce qu'on a rajouté, c'est l'aspect culturel. Par exemple, nous avons créé des patterns, c'est-à-dire des katas. Et chaque pattern porte le nom d'un élément, en tout cas d'une figure emblématique du Sénégal, ou bien d'un fait culturel ou historique très important. Donc, si je vous donne présent un exemple, si nous prenons par exemple les katas, le kata numéro 1, qui est du programme de la ceinture blanche, est associé à Niani. Niani, une terre de Russie. Vous prenez le deuxième, c'est Tekrur. Le troisième, c'est Alinchite Ojata. Le quatrième, c'est Ladjor. Le cinquième, c'est Nder. Le sixième, c'est Linger. Le septième, c'est Cheikh Anta Diop. Vous avez Badlin Siki, huitième. Vous avez Kandi Tcharey. Et vous avez Batolo Diola pour les katas que nous exécutons sans armes. Avec les armes, vous avez Lamin Diak. Vous avez. Il y en a plein. Il y en a maître. Ça c'est le pattern d'air, kata d'air, que les filles vont exécuter. D'air, ça rappelle la tender. Donc, attention, pas, on ready, très fort. D'air, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on y va. 7, 8, avancez 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, malgré les positions. Attention, bah, tu peux parler de l'air. Yeah. Va parler de l'air. Donc tu viens d'exécuter un air. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'air? L'histoire des fans de l'air qui mardi se sont suicidés collectivement pour ne pas tomber entre les mains des esclavagistes morts. Très bien, attention.